Aujourd'hui, pour Simone, 93 ans, hospitalisée ici à l'hôpital des Trois Chênes, c'est jour d'examen. Simone porte une minerve rigide suite à une lourde chute dans le tram. J'étais dans le tram et je suis montée dans le tram et le tram a démarré pendant que j'étais debout et paf, j'ai été jetée en arrière. Et alors, j'ai perdu conscience, hôpital, tout le monde ici, enfin, c'était assez pénible. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais ? C'est fait, hein ? Mais je sais qu'il y a une vertèbre qui a été cassée, là. Aujourd'hui, Simone va subir un scanner de contrôle, sans stress, ni inquiétude. Non, moi, j'ai pas peur d'un scanner, non, je l'ai déjà eu fait. Oui. Alors, ça va. C'est en fauteuil roulant que Simone va rejoindre le nouveau plateau d'imagerie médicale de l'hôpital des Trois Chênes. Au scanner, Simone sera prise en charge par l'équipe soignante, une prise en charge qui va au-delà de l'aspect technique. Vous savez ce qu'on va vous faire comme examen ? Un scanner ? Voilà, oui, exact. Vous en avez déjà fait ? Oui, pas ici, je ne sais plus quand, il y a longtemps. Mais... C'était bien ça, cet examen-là que vous aviez déjà fait ? Oui, avec oui. Le tunnel, le petit tunnel. Avec un petit tunnel, j'avais fait, oui, il y a longtemps. Oui. D'accord. Le plus important pour nous, pendant l'examen, ce sera que vous ne bougiez pas. Voilà. D'accord. On a quelques restrictions par rapport à votre position. Oui. Mais le but, c'est que vous soyez bien, que vous ne bougiez pas. Immobilier. Voilà. Très bien. Sur Ensuite, la table. Asseyez-vous seulement. Très bien. Soulevez un peu la tête et on va glisser vers le haut. Encore ? Encore un petit peu. Voilà. Là, je vous introduis à l'intérieur. Avant l'examen, le plus important, c'est de rassurer le patient, de s'assurer qu'il a bien compris. Ce n'est pas toujours facile, mais là, en l'occurrence, on avait une situation très idéale. Le patient comprend bien, où on peut bien expliquer, avoir un contact qui est humain, de façon en fait, à ce que l'examen se passe bien. Les trois quarts de l'examen, c'est les 10 minutes avant. Parce que sinon, le patient il devient angoissé, il ne se sent pas bien, il bouge, et tout ça pour la qualité d'image, ce n'est pas bon. La gériatrie est une spécialité en soi dans la médecine. Et puis, il y a la gériatrie avec la radiologie qui est maintenant ici dédiée à la gériatrie. Il y a des spécificités qui sont propres à la personne âgée. Des fois, les patients ont besoin d'avoir plus de temps pour qu'on leur explique ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire comme examen. Il faut qu'on fasse attention aux produits de contraste qu'on injecte parce que du fait qu'ils sont plus âgés, possiblement, ils ont plus facilement une fonction rénale un peu plus limite. Et puis, les patients, ils demandent des explications, puis c'est des fois un peu plus difficile de leur donner. Des fois, ils ont des problèmes de surdité ou toutes sortes de problèmes qui sont propres à la gériatrie. Et puis, en contrepartie, il y a un confort énorme pour le patient de pouvoir faire ses examens radiologiques. Ici même, il n'y a pas un transport en ambulance, il n'y a pas toute une anxiété liée à un déplacement en ambulance dans un endroit qu'on ne connaît pas. Ils restent dans un endroit qui leur est plus familier et pour eux, c'est beaucoup plus facile. Immobile et plutôt sereine, Simone est maintenant prête pour son examen. Elle devra suivre les consignes et surtout ne pas bouger. Vous m'entendez toujours, madame ? Très bien, oui. Très bien. Alors, on va commencer tout de suite. Voilà, madame, la table se déplace, c'est normal. Simplement, maintenant, on va faire les images à proprement parler. Donc, ne bougez pas du tout. Ça commence tout de suite pour quelques secondes. Ça ne fait pas de douleur du tout, le scanner. Il nous place, il nous déplace, il nous replace. Enfin, bref, et ça a été très facile, hein. Simone peut maintenant attendre ses résultats. Ils seront interprétés par le médecin radiologue. En 30 minutes, Simone aura bénéficié d'un scanner et retrouvé sa chambre sans déplacement ni fatigue inutile. Tout est fait finalement dans une relative proximité. D'ailleurs, je peux imaginer difficilement une proximité meilleure que celle dont nous disposons ici. Nous travaillons en interaction avec le médecin radiologue et tout examen est automatiquement suivi par le médecin radiologue une fois l'examen terminé et nous libérons le patient, évidemment toujours dans cette optique de optimiser l'examen, d'optimiser les déplacements des examens. Donc on le visualise avec les radiologues et puis ainsi nous pouvons immédiatement, si besoin l'est, compléter cet examen sans avoir à déplacer le patient dans la chambre, le faire revenir plus tard ou un autre jour.
j'étais très consciente de ce que j'allais faire. Alors ça veut dire. Et puis à un moment donné, la personne ne pouvait pas rester, je ne sais pas pourquoi, mais je pouvais lui parler, elle entendait. Alors, ça s'est très bien passé. Et puis quand ça a été terminé, ils m'ont libérée, et puis ils étaient contents, puis moi aussi.